Alors, le tacle assassin de Toto Wolff envers Michael Masi pour Abu Dhabi le week-end prochain, je pense que nous y arriverons, à peu près à égalité de points et que nous avons un véritable directeur de course cette fois. Donc, ça devrait aller pour Abu Dhabi. Prends ça, Michael Masi. Alors, ça se trouve, il dit ça, mais au final, il y aura une couille à Abu Dhabi encore. Donc, il parle pas trop vite non plus, Toto Wolff. Tout dépend du week-end dernier, ils sont très rapides, ils ont fait du bon travail. Je pense que nous aurions pu être à égalité à Las Vegas, mais le résultat montre quelque chose de différent. Pour être honnête, c'est bien d'avoir la P2 comme point positif pour terminer la saison, mais la P2 ou P3, peu importe. Ça ne me rend pas particulièrement joyeux de toute façon. La semaine dernière, Wolff a révélé que sa motivation était alimentée par une colère personnelle. Bon, ça, oui, on l'avait vu. Effectivement. Bah, il était colère personnelle, il me fait rire, hein. Encore une fois, voilà. Il fallait aller au tribunal, hein, au lieu de déblatérer ça 2 ans plus tard. Toto, oui, colère personnelle, ben on est tous en colère, mais tu n'as pas fait les choses qu'il fallait faire le moment venu. Donc voilà. Ben, maintenant c'est trop tard, enfin bon, c'est trop tard. Quand on voit ce qui se passe avec Massa, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles, hein, Massa. Peut-être la semaine qui arrive, je sais pas. Enfin, cette semaine d'ailleurs. Ou la semaine d'après, après Abu Dhabi, pour laisser passer la fin de la saison, j'en sais rien. Bizarre, en tout cas, qu'on n'ait pas de nouvelles. Je vous laisse commenter.